Ngai katia lusambo na yokindi kuazalaki kumbondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider? Papa, viens me sauver. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, portons ensemble la bonne nouvelle de Christ en sécurisant notre temps de prière, ce merveilleux temps que nous allons passer ensemble. En mettant donc des cœurs, en partageant dans les groupes, en taguant des personnes, en invitant des personnes à ce temps, à ce merveilleux temps. Visite les personnes, appelle-les, réveille-les, réveille celui qui est à côté de toi, partage, partage, et mets surtout des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Alléluia. À partir de demain, vendredi, nous allons vivre avec notre révérend père, Achia Paco Marie, 4 jours de bénédiction. Oui, 4 jours de bénédiction et de grâce. Il y aura des prophéties, il y aura de l'enseignement, des enseignements profonds. Il y aura donc la divine liturgie, il y aura des prières de délivrance, de guérison. Dieu sera avec nous pendant ces 4 jours. Dieu fera de grandes choses, de merveilleuses choses. Alléluia. En Luc 2, le verset 6, la Bible nous dit: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Frères et sœurs, dit les temps sont accomplis pour l'enfantement de mon miracle. Le temps arriva, dit la Bible. Le temps arriva. Ce soir, c'est la soirée de l'accomplissement. Car les temps sont accomplis. Parce qu'en Lamentation 3, les versets 22 à 23, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin.
Frères et sœurs, ce soir, tu viendras encore prendre ta bénédiction et ta grâce pour pouvoir être élevé au plus haut sommet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant tout, nous allons nous adresser à notre ange gardien. Donc, fais nos signes de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ange et fidèle gardien, mon amour, mon protecteur, j'ai bien passé cette journée. Et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Frères et sœurs, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que tout le temps, à tout moment, en tout lieu, nous devons dire merci à notre Créateur. Prie avec moi. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Alléluia. Amen. 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 Oh, frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Car la Bible même dit que le Saint pêche sept fois. Qui sommes-nous pour ne pas reconnaître que nous sommes de saints pécheurs et que nous vivons seulement que par la grâce de Dieu? Nous allons prendre une position qui nous sied. Si tu peux t'asseoir, tu t'assois. Tu peux te coucher, tu te couches. Mais prends une position pour montrer à ton Dieu que tu n'es rien sans lui. Prions. Seigneur, pour toutes mes omissions et négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part envers l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu, je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, pour tous les jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, pour les injures, les médisances, les railleries, les rapports, pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, le zèle et le manque de fidélité, et pour tous les autres sentiments divers, confus, ô Seigneur, que j'ai eu envers les autres, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Je demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci, Seigneur. Seigneur, tu sais qu'il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que j'ai fait. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Pardon et encore pardon.
Rakasa katarababa, shakatarababa, rukasa katarababa. Oh, frères et sœurs, maintenant que nous avons été justifiés, nous allons pouvoir maintenant prier parce que Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a redonné notre position. Alléluia, alléluia, alléluia. Exode 19, le verset 19. La Bible nous dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait. La Bible nous dit, Moïse parlait. Moïse parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Ce soir, tu vas encore ouvrir la bouche, car les temps sont accomplis pour ton miracle, pour ton mariage, pour ton travail, pour ta délivrance, pour ta guérison. Les temps sont accomplis. Guerrier ou pas guerrier, guerrier ou pas guerrier, 2020, c'est mon année de progrès illimité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba shakata rabba kasakata rabba kinta rabba shakata rabba bahoura. Nous allons maintenant attaquer notre premier point de prière. La prière pour le mariage. Genèse 29, les versets 21. La Bible nous dit, ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Oh, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Rabasakata, ramparabasho. Sang de Jésus trois fois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Prions. Oh Dieu, par ton sang, j'annule toute odeur de rejet. Je chasse tout esprit de mari et de femme de nuit. Par l'épée de Saint-Michel, l'archange, je déchire tout voile démoniaque et que l'on me voit enfin comme tu m'as créé, à ton image et à ta ressemblance, et que désormais tous les hommes, toutes les femmes et que toutes les situations s'inclinent à ma faveur, et cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les temps sont accomplis pour mon mariage au nom de Jésus. J'ai mon mariage, j'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant contre les difficultés dans le couple. Juges 19, le verset 27. La Bible nous dit, et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, que toute sorcellerie, que toute alliance contractée dans ma famille du côté de mon père ou du côté de ma mère et qui s'attaque à mon foyer, que cela soit exposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'annule par le feu du Saint-Esprit tout esprit qui combat mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'ai détruit mon foyer. Tout esprit d'adultère, d'infidélité, tout esprit de pauvreté, tout esprit de dispute et d'incompréhension, de violence conjugale, oh Dieu, éloigne de moi, éloigne de mon couple, éloigne de mon partenaire, toute pensée de divorce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les temps sont accomplis pour la paix de mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabasakata, rababa. Mettez les cœurs pour sécuriser notre direct. Comme je le fais ici, mettez les cœurs, partagez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais saluer Lydie Mambo, Amalan, Madeleine,
Je vais saluer Kwasi Edo Akwa Beni. Je vais saluer Teya Kofi. Je vais saluer Charlotte Yao. Je vais saluer Romain Wolo. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour notre troisième point de prière, la prière pour l'enfantement. Genèse 21, le verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé, oh, dit les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Oh Dieu, Dieu de ma fécondité, comme tu l'as fait pour la femme de distinction, en le révélant à ton prophète Élisée, je déclare qu'à cette même époque, l'année prochaine, c'est-à-dire en août 2021, j'embrasserai mon fils, j'allaiterai ma fille, je porterai mes jumeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute incantation prononcée contre ma fertilité ou celle de mon partenaire soit annulée en cette nuit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les temps sont accomplis pour mon enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons attaquer le quatrième point de prière. La prière pour le travail et pour la promotion. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Jésus trois fois, sang de Jésus trois fois, feu du Saint-Esprit trois fois. Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, le Dieu qui pourvoit pour le besoin de ton œuvre ainsi que pour ma vie personnelle, rends-moi digne du travail auquel tu as choisi de m'appeler pour manifester dans ce monde ta lumière. Car c'est en travaillant ainsi que je peux soutenir les faibles, les démunis, les orphelins, et les veuves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, ô Seigneur. Glorifie-toi dans ma vie, ô Seigneur, afin que je te glorifie à mon tour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les temps sont accomplis pour mon travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue Christine Anne, je salue Kone, amie, épouse, Poku, je salue Teya Kofi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je salue Eba Kwame, que Dieu vous bénisse, que la prière que nous allons ce soir proclamer par notre parole soit une bénédiction dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point de prière, la prière pour les finances et pour les affaires. Deutéronome 11, les versets 14 à 15. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la rière saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras. Et tu te rassasieras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Seigneur, toi le Dieu qui multiplie, tout comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu ne mourras
papa béni ce soit. Mon Dieu, ordonne que les écluses des cieux s'ouvrent pour moi, pour ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'envoie ce soir ton ange briser les verrous des prisons qui retiennent toutes mes bénédictions, les bénédictions de mon épouse, les bénédictions de mon époux, les bénédictions de mes enfants. Toutes les prisons qui retiennent mes projets, toutes les prisons qui retiennent mes réalisations, toutes les prisons qui retiennent mes bénédictions, et je déclare que je redeviens propriétaire de mes biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robasa kata rabasha kata rokusu kata rababa rokusa kimireba rabakasha kata rab. Je déclare que les temps sont accomplis pour ma prospérité, pour mes affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième point de prière, nous allons prier pour la délivrance. Frères et sœurs, tu vas mettre la main droite sur ta tête et la main gauche sur ton nombril. Et nous allons prier pour que Dieu descende ce soir même pour une grande, véritable délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Josué 11, le verset 6. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant toi. Est-ce que quelqu'un a bien saisi? Est-ce que quelqu'un a bien saisi? Josué 11, le verset 6. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant toi. Mets la main droite sur ta tête et la main gauche sur le nombril et nous allons prier. Seigneur, comme Joseph, précipite ma sortie de la prison dans laquelle mes ennemis, l'homme fort, les sorciers, les esprits des eaux, les occultistes, veulent me maintenir injustement. Je déclare que ce soir est un soir de libération, de délivrance, de restauration, de bonheur et de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délivre tous mes parents. Je délivre toute ma famille. Et je déclare, oh Seigneur, délivre-moi des dangers. Toi dont la puissance est irrésistible, délivre-moi de tout péril. Espérant fermement en toi, je serai sauvé, préservé par ton appui. Je ne craindrai rien. Je chasserai mes ennemis et je les vaincrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que l'archange Michel, que la main où tu as posé sur la tête et l'autre main sur le nombril, maintenant opère la délivrance, 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 opère la délivrance. Allez, quittez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu sors des tombeaux. Je déclare que tu sors des prisons. Je déclare que tu sors des chaînes. Je déclare que tu sors maintenant des cercueils au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois le feu de tout esprit qui te maintient dans la captivité. Et je déclare maintenant que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Je déclare que tous les temps sont accomplis pour ma délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabasha katapapa. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire.
J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour notre septième point de prière. Nous allons prier pour la guérison. Matthieu 8, les versets 16 à 17. Nourabasha katarabaraba. Sokatarabaka shakatarababa. Koso kotoro. Koranarabashe kitarab. La Bible nous dit en Matthieu 8, les versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il dit ce soir aussi, on sera devant Jésus et Jésus va nous guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc commence déjà à te voir devant le Christ. Déjà commence à te voir devant Jésus-Christ de Nazareth, le guérisseur par excellence. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi. Seigneur, ce soir, je viens à toi car je n'ai d'autre recours que toi face à la maladie. Seigneur, je viens t'exposer ma cause. Je viens t'exposer ma détresse face à ce mal. Mais à cause de ce que tu es un Père miséricordieux qui agit par bonté à cause de lui-même, Seigneur, aie pitié de moi et repousse cette maladie dans les enfers d'où elle est venue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, entends mes supplications et délivre-moi de l'angoisse que produit cette maladie. Et conformément à ta parole, je déclare qu'en tant que ton enfant, le mal ne m'atteindra pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es toi-même la perfection et je sais que je trouve un refuge sur ton plumage. Je commande au nom de Jésus que l'archange Raphaël vienne ainsi, que tous les anges qui travaillent sous sa commission me visitent, afin que je de m'accorder par la grâce et par la puissance de Dieu la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas maintenant que tu as fini de prier, tu as fait ta part, que tu as demandé à Dieu, tu vas déclarer d'abord que les temps sont accomplis pour ta guérison. Déclare que les temps sont accomplis pour ma guérison au nom de Jésus. Les temps sont accomplis pour ma guérison au nom de Jésus. Tu vas maintenant mettre la main là où tu as mal. Tu as fini de demander, tu as fini de prier. Tu as fini de parler, de proclamer. Maintenant, Dieu va exaucer ta prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main là où tu as mal. Et puis commence déjà à voir ta guérison. Commence déjà à voir si tu as mal, si tu n'arrives pas à marcher, vois-toi déjà en train de marcher. Si tu n'arrivais pas à courir, vois-toi déjà en train de courir. Ce que les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, comment déjà te voir les faire? Parce que ce que tu penses, ce que tu réalises dans ta pensée, c'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main là où tu as mal et nous allons prier ensemble. Rokasa katarababa, shakatarababa, rekese katarababa, korokasa katarababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, le guérisseur par excellence, celui qui est le médecin des âmes et des corps, je prie maintenant que, Seigneur, tu puisses toucher tes enfants. Archange Raphaël, que partout où ils sont, quel que soit leur lieu de résidence, quel que soit le pays où ils se trouvent, maintenant, tu les rejoins au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, maladie, quel que soit le lieu où tu te trouves,
que tu sois dans leur tête, que ce soit les maladies, les maux de tête, des céphalées, des maux d'oreille, des maux d'yeux, des maux qui sont logés dans la bouche, la maladie mentale, je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que si tu as toutes les maladies qui sont logées au niveau de leur thorax, maladie du cœur, du foie, du pancréas, quelle que soit la maladie, quel que soit l'organe qui a été touché, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit une maladie qui a touché les membres supérieurs comme inférieurs, une infirmité, quel que soit le nom de la maladie, je déclare maintenant que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es guéri et tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. AVC, arrêt cardiaque, palpitations, infarctus, tension artérielle, insuffisance cardiaque, affection pulmonaire, tuberculose, pneumonie, asthme, quelle que soit la maladie, ulcère, cancer, sida, quelle que soit la maladie, je te purge par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te purge par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que tu es guéri. Que tu es guéri. Que tu es guéri. Que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Commence à faire tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Commence à te visiter. Si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi, commence à marcher. Si tu n'arrivais pas à te courber, commence à te courber. Fais tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, car Jésus-Christ est passé par là et tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Roku sakata rababa, kurumana raba shakata rababa, roka sakata rababa shokotoru. Je veux prier spécialement pour toutes les personnes qui sont connectées, toutes ces personnes qui ont partagé. Parce que vous avez fait l'œuvre d'évangélisation. Je mets la main sur mon portable. Et je déclare maintenant que toute la bénédiction que Dieu a réservée pour votre vie, que cela maintenant vous touche. Que cela vous touche. Que cela vous touche. Que cela vous touche. Que cela vous touche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons finir avec un dernier point de prière. Les temps sont urgents pour notre pays, pour notre nation. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour notre nation. Car ces moments sont difficiles. Et nous sommes appelés à être des sentinelles afin que ce que le diable veut faire contre notre nation, cela ne puisse pas prospérer. Néhémie 4, les versets 8 à 9. La Bible nous dit, ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Jésus trois fois, Archange Michel trois fois. Jésus, 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 Archange Michel, Archange Michel, Archange Michel. Ô Seigneur, donne-nous ta paix. Donne ta paix à la Côte d'Ivoire. Comme tu l'as donnée à tes saints apôtres, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous à nous aussi de jouir de ta paix. Les saints apôtres ont reçu ta paix et l'ont répandue sur le monde entier, sur la Côte d'Ivoire. Tout en sauvant les peuples, ils n'ont pas perdu cette paix qui n'a pas diminué en eux. Seigneur, donne-nous à nos dirigeants ton Esprit Saint pour qu'ils réchauffent leur cœur par ton amour, leur enseigne toute vérité et les guide sur le chemin du bien. Seigneur, je veux que ta paix repose sur ton peuple, sur ta nation, la Côte d'Ivoire. Tu l'as aimée sans réserve. Et tu lui as donné ton Fils unique pour qu'elle soit sauvée. Gloire à toi, Seigneur, car grand est ton amour pour nous. Tu nous donnes la paix
et la grâce du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Partout où vous êtes, à tout moment, fléchissons les genoux pour notre pays. Fléchissons les genoux pour notre pays. Pour que ce que le diable a programmé contre cette nation ne puisse pas arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant partir nous coucher d'un moment à l'autre, mais nous allons demander une bénédiction spéciale à Dieu, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, à notre archange, à notre ange gardien, oui, à notre archange aussi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donne-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et le saint patron de la ville d'Abidjan, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé et du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que dans cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, de la COVID-19 et de tout péril. Merci Seigneur. Nous allons maintenant faire notre prière finale. Nous allons donc prendre notre eau bénite et nous allons dire: mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Ensuite, tu vas asperger cette eau bénite donc aux quatre coins de ton lit. Donc, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Placez-vous aux quatre coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les maris et femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je le remets en tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, 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 amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde toute la bénédiction, que ce soit encore tout ce qui a été prononcé, tout ce qui est sorti de tes lèvres, que le Seigneur puisse te l'accorder au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, avant de nous laisser, je voulais vous rappeler quelque chose. N'oublions pas notre taureau de 7 ans pour l'autel d'Achialante, la cité de l'exaucement, la maison de l'Éternel. Dieu nous attend tous pour bâtir sa maison. Et que Dieu nous garde, et que Dieu garde notre pays, la Côte d'Ivoire, la terre de nos ancêtres, et que par nos prières, par notre repentance, nous puissions sortir vainqueurs de cette épreuve. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ngai katia lusambo na yokinde kuazala ki kumbondela yoka maluba na ye. Tu es
es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa. Viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, ô papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh. Qui peut m'aider? Thank you.